T'as vu comme c'est trop beau derrière moi? Enfin, je peux sortir une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo sur la chaîne, mais j'ai été vachement occupé puisque j'ai beaucoup avancé dans l'appartement. J'ai terminé tous les joints de placo dans la pièce principale. J'ai passé la sous-couche un petit peu partout, donc tu peux voir autour de moi. Je me suis bien fait caguer pour faire le joint là entre le mur de briques et le placo, je peux te dire que ça a été long à faire. Et puis aussi, j'ai beaucoup avancé dans la salle de bain, la plomberie est terminée, le ballon d'eau chaude est posé, le support de WC suspendu est posé, le placo est quasiment terminé. Mais aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est préparer l'emplacement du bac de douche. Donc j'ai prévu de mettre un receveur de douche dans ma petite salle de bain. Mais j'ai un petit souci, c'est que j'ai un faux équerrage entre les deux murs de la salle de bain. Donc je vais avoir besoin de rattraper ce faux équerrage. Et pour ça, j'ai trouvé une solution qui est vachement bien. C'est du matériau comme ça de construction de chez Lux Éléments. Voilà, donc on s'y met tout de suite. On n'a pas de temps à perdre parce que moi, j'aimerais bien finir cet appartement avant de partir en vacances. Et à mon avis, c'est très mal barré. Donc j'ai dit que je le mettais à 5. 70, celui-là, et j'ai 127. Alors, 127. Ça c'est cool. Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à coller.
vois, j'ai tout collé. La petite bande autocollante renforcée a été posée partout. Surtout là où en fait y a deux plaques, donc il fallait faire une jonction entre les deux plaques. J'ai vérifié tous mes niveaux, donc là c'est bien vertical, ici c'est bien horizontal, et là en fait, donc j'ai vérifié, il y a une très légère pente qui va permettre à l'eau de s'écouler, parce que s'il y a de l'eau qui stagne ici, ça risque de faire des infiltrations le long du mur, et ça c'est pas génial. Je vais mettre un petit joint silicone tout le long autour du petit caisson, et après je vais faire un spec avec une bande d'étanchéité, mais ça ce sera sûrement sur une prochaine vidéo. Là, l'étape suivante, c'est de positionner le receveur de douche, surtout de le mettre à la bonne hauteur. J'ai déterminé que la hauteur de mon bac de douche devait se situer à 16 cm du sol. Et donc, dans les magasins de bricolage, ils te vendent des espèces de pieds comme ça, qui sont vraiment bien parce qu'ils sont réglables, donc tu peux mettre ton bac de niveau, tout ça. Mais le problème, c'est que c'est un peu court, ça ne fait que 13 cm au maximum. Donc, il va me manquer 3 cm. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais utiliser des petites briques que je vais poser sur le fond. Et puis après, on va venir mettre ça par-dessus. Voilà. Alors tu vois, j'ai laissé sécher tranquillement pendant toute une journée, voire même pendant deux jours, la colle à perlage. Et donc là aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est faire un petit joint silicone partout dans les angles pour commencer à faire mon étanchéité. Très important, remonter le pantalon pour pas que tu vois l'arrêt de mes fesses. Je vais te montrer ça de près quand même. Bon, tu peux lisser avec le doigt, hein. Là, on n'est pas dans un travail de précision de malade. Là, tu vois, ça mérite parce que j'ai quand même un petit écart. Hop, allez. C'est bon, hein. Bon silicone. C'est déjà la fin de cette vidéo. Oui, bon, je sais, on va se retrouver bientôt avec une nouvelle vidéo pour l'étanchéité de la douche. Je vais faire un petit spec. Donc un spec, c'est un produit à passer avec des bandes dans les angles. Je vous montrerai tout ça. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao !